Bonjour à tous et bienvenue dans cette session tech qui est réalisée avec l'un de nos clients Santé Publique France, en l'occurrence Caroline Allôme, qui est chef de projet au sein de Santé Publique France. Et le sujet aujourd'hui va être la data vie au service du tracking de l'épidémie de Covid-19. Donc c'est un outil qui est issu à la fois de DigDash, donc qui est éditeur de logiciels, dont je suis effectivement le dirigeant, et effectivement en partenariat avec Santé Publique France pour produire des tableaux de bord à destination du grand public. Alors quelques mots pour commencer sur DigDash, puis je laisserai la main à Caroline pour passer plus de temps sur la manière dont ils ont mis en place ce tableau de bord. Donc DigDash existe depuis 2006, notre siège social est basé à Aix-en-Provence, on a également un bureau à Paris et à Madrid, on a plus de 150 000 utilisateurs à travers plus de 450 clients, on est présent dans 25 pays, disponible en 12 langues, on a une croissance annuelle assez confortable et on fait partie d'une enquête qui est réalisée par le Kenley Barque. Je vous encourage à aller la télécharger sur notre site web si elle vous intéresse, elle compare tous les outils autour du décisionnel et permet effectivement de comprendre dans quel cas d'usage DigDash est le mieux adapté. Donc je laisse tout de suite la main à Caroline qui va se présenter peut-être un petit peu plus en détail et qui va présenter surtout le projet qu'elle a réalisé avec DigDash. Tous, merci beaucoup Antoine pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui le tableau de bord Info Covid France, donc l'outil mis en place en collaboration donc par Santé Publique France avec DigDash qui nous a accompagnés donc dans le cadre de ce projet. Moi, je suis donc Caroline Allôme, chargée de coordination scientifique au sein de Santé Publique France depuis décembre 2020, et c'est dans le cadre de ces fonctions que voilà j'ai été amenée à coordonner la mise en œuvre de cet outil. Qui est aujourd'hui disponible depuis novembre 2021, mais je vais y revenir. Donc, dans cette présentation que j'organise en deux parties, je vais vous présenter évidemment le projet avec une petite démonstration à la fin de l'outil. Et puis, je partirai sur une présentation du bilan et des perspectives que nous avons pour cet outil. Donc, quelques mots pour vous expliquer évidemment dans quel contexte nous avons pensé Info Covid France. Donc, Santé Publique France est l'Agence nationale de santé publique. C'est un établissement donc administratif qui a été créé en 2016 et qui est né en fait de la fusion d'établissements publics pour la surveillance et la prévention et l'organisation de la réponse à l'alerte en cas de crise sanitaire. Et donc, ces missions sont d'améliorer, de protéger la santé des populations. Donc, ces missions sont articulées autour de trois grands axes: anticiper, comprendre et agir. Donc, dans ce contexte-là, nous avons différents objectifs hein, en tant qu'agence scientifique, et ces objectifs s'organisent autour de l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations, la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, le lancement de l'alerte, bien sûr, mais également la promotion de la santé, la réduction des risques, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé, et la préparation de la réponse aux menaces, aux alertes et aux crises sanitaires. Donc, la surveillance épidémiologique de la COVID-19, lors du début de la crise annoncée au printemps 2020, évidemment, a été au cœur de nos missions et de la réponse que l'agence pouvait apporter à la crise sanitaire. Alors, la surveillance épidémiologique de la COVID-19, ça tourne autour de données, hein, bien sûr. Donc, je ne vais pas évidemment vous présenter l'intégralité des données qui sont disponibles, mais au moins les grosses bases de données qui représentent quand même un volume assez important, qui sont les quatre bases de données que nous traitons ici à Santé Publique France. Donc, il y a bien sûr la base sur la vaccination, donc qui s'appelle Vaxi, hein, qui est un système d'information qui regroupe toutes les populations éligibles à la vaccination. Il y a également la base SIDEP qui regroupe, alors vous avez probablement entendu parler si vous avez déjà eu l'occasion de faire un test de dépistage pour la COVID-19, donc qui regroupe tous les résultats de tests réalisés en laboratoire, en pharmacie ou à l'hôpital au sein d'une base, donc les tests antigéniques et les tests RT-PCR. Également la base civique qui regroupe, donc est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre des attentats et qui a été activé là pour dans la situation d'urgence sanitaire pour l'épidémie de Covid-19 parce qu'elle permet d'avoir un suivi des populations hospitalisées pour Covid-19 et avec voilà, des informations sur leur date d'admission, de sortie et qui étaient donc des données très précieuses pour comprendre l'épidémie.
épidémie et surtout son impact sur la population. Et la petite dernière qui est Emergen, qui est une base qui a été mise en place dans le cadre d'une collaboration SPF, enfin Santé publique France, NRS, MIE, dans le cadre du consortium Emergen, donc mis en place l'année dernière et qui vise à regrouper les données les données de génome du virus, hein, qui permettent en fait d'identifier exactement le génome qui circule pour identifier les variants en circulation et donc toujours pareil, participer à la compréhension de l'épidémie et de l'impact sur la population. Voilà, donc je vous présente ces données je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les données, mais pour vous donner une idée de l'importance de traitement de ces données, hein, qui sont pour laquelle Santé publique France travaille et crée des indicateurs qu'elle analyse pour permettre d'avoir une vision holistique sur la compréhension de la situation épidémique. L'agence a une politique vraiment de transparence et de partage de l'ensemble des indicateurs qu'elle met en open data. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, sur la base de données CIDEP, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas forcément très grand, mais en fait... le ministère en charge de la santé, donc le ministère de la santé et de la prévention, ainsi que l'APHP, coordonne la remontée des informations issues des pharmacies, des hôpitaux, des laboratoires, mais également de tous les tests qui sont réalisés dans le cadre de campagnes de dépistage, comme il y a eu par exemple dans les milieux scolaires, notamment l'année dernière. Tous les tests qui sont réalisés par des professionnels de santé en libéral par exemple. Donc tout ça est remonté dans le portail CIDEP et collecté, pseudonymisé, et ensuite transmis à Santé publique France pour la création d'indicateurs. Ces indicateurs sont analysés évidemment ils sont mis à disposition sur des plateformes. Alors, à travers différents outils, donc il y a une plateforme de data visualisation déjà qui était disponible, qui s'appelle Geode, mais je vais y revenir, qui est hébergée, qui est réalisée par Santé publique France. Également, notre site internet indiquait des chiffres clés quotidiens qui permettaient aussi de suivre l'évolution de l'épidémie. Et puis, on a notre rapport hebdomadaire, le point épidémiologique, qui analyse la situation. Mais on publie également les fichiers à l'état brut, sur data.gouv.fr notamment. Et puis, on alimente tous les jours tous anti-Covid et des sites internationaux tels que le site de l'ECDC qui permettent en fait d'avoir une vision sur l'épidémie de partout dans le monde et donc de mieux comprendre la circulation de la pandémie. Donc l'open data, c'est vraiment un engagement de Santé publique France. J'ai repris une citation de Laetitia Huillard, qui est directrice scientifique de l'agence et qui indiquait lors de la sortie de cet outil Info Covid France, qui indiquait qu'effectivement l'open data représentait un challenge quotidien pour les producteurs de données, puisque cela exige de produire à partir d'une volumétrie de données toujours croissante des indicateurs à un très haut niveau de qualité et de fiabilité, tout en protégeant les données personnelles. Donc c'est un vrai défi pour les équipes pour proposer une telle qualité de données, mais c'est un engagement parce que on propose, alors par exemple ici je vous ai mis un imprimé écran du site data.gouv.fr que vous connaissez peut-être par ailleurs, puisqu'il y a des données effectivement de santé, mais en fait il y a des données sur différentes thématiques. J'ai fait un filtre ici sur Santé publique France et vous voyez qu'on a 21 résultats, donc 21 thématiques qui ressort pour les données que met à disposition Santé publique France. Et sur une thématique, par exemple en l'occurrence sur les données liées à l'épidémie, donc des données d'incidence plutôt, de nombre de nouveaux cas qui circulent, qui ont été identifiés, pardon. Vous voyez qu'on a 15 fichiers, par exemple, pour rendre compte de cette thématique bien précise sur la COVID-19, il y a des fichiers avec des déclinaisons territoriales différentes, avec des découpages également par classe d'âge, par exemple, ou d'autres éléments. Donc, c'est très important pour nous parce que ça permet, en fait, d'être réutilisé sous différentes formes. Donc en fait, ces sources sont réutilisées notamment
par des spécialistes en statistiques. Par exemple, on a vu des modélisateurs, des équipes de recherche qui ont conduit des travaux de modélisation qui ont permis de compléter les investigations et d'alimenter l'aide à la décision publique hein, pour vraiment aller plus loin dans la compréhension de l'épidémie et faire des scénarios d'évolution de l'épidémie pour les semaines à venir. Mais également, ça alimente différents sites de data visualisation, parfois des sites donc publics par le ministère de la Santé, mais également des sites qui ont pris aussi beaucoup de place pour rendre compte de l'épidémie Covid. Par exemple, vous connaissez peut-être Covid Tracker, qui a été très réactif et très utilisé aussi pendant la crise. Donc voilà, tous ces sites piochent dans ces sources d'informations que nous mettons tous les jours à disposition. Côté Santé publique France, la data visualisation de la COVID-19 en France en 2020 et 2021, majeure partie de l'année 2021, se résumait à donc quelques chiffres clés, je le disais, qui étaient mis sur le site internet, mais aussi à la plateforme Geode. Donc je vais aller un petit peu plus en détail sur Geode. Geode, c'est un observatoire cartographique des données de santé qui a été mis en place donc, par Santé publique France en 2019, donc qui préexistait à la crise sanitaire et qui nous a permis justement d'être très réactifs en fait, hein, dans la mise à disposition de données. Donc aujourd'hui, ça représente voilà, 800 indicateurs de santé répartis sur 40 thématiques, mais ne serait-ce que sur COVID-19, donc on l'a alimenté depuis mai 2020, on a déjà 170 indicateurs qui sont disponibles. Donc sur lesquels voilà, ils sont représentés comme le montre l'image ici à droite, donc avec un découpage territorial, alors qui peut aller du plus gros au niveau national, mais au plus fin au niveau de l'IRIS, hein, qui est la plus fine échelle intracommunale. Avec voilà, des données alors sur différents sujets, donc là, les données d'incidence, des données d'hospitalisation, des données de mortalité, voilà, donc qui sont représentées sur cet observatoire cartographique tous les jours et qui nous ont permis d'être assez réactifs pour rendre compte de la situation sanitaire très rapidement, en fait. Alors, l'objectif, donc ce produit, Info Covid France, il est né dans ce contexte avec des outils qui existaient pour faire de la data visualisation, mais qui nous semblaient ne pas suffire en fait, ne pas être complet, pour rendre compte de la situation de l'épidémie. Alors notamment parce que donc Geode propose principalement une visualisation cartographique avec assez peu d'infographies, d'éléments. D'éléments assez simples en fait, hein, de lecture. Donc l'objectif d'Info Covid France, il était celui-ci, enfin, ils étaient ceux-là, parce qu'ils sont plusieurs, mais majoritairement, c'était de proposer de l'information accessible à toutes et tous. Alors pour cela, ça voulait dire diversifier les formats de restitution, donc avoir différents graphiques sous différentes formes, hein, des diagrammes en barres, différents graphiques qui permettent en fait de compléter ce set d'informations disponibles et de toucher le plus de monde possible. Ça avait aussi un objectif toujours d'augmenter la transparence, puisqu'on s'est servi d'Info Covid France pour publier des indicateurs qui n'étaient pas disponibles jusqu'alors. Et qui sont toujours utiles à la compréhension de la situation sanitaire. Je pense notamment à l'activité de la réserve sanitaire qui est à Santé publique France également, mais aussi les données sur, par exemple, les distributions de vaccins et d'autres données aussi. Et enfin, donc faciliter l'accès des utilisateurs en diversifiant également les supports de restitution, puisqu'on a souhaité voilà, avoir un objet responsive, hein, c'est-à-dire qui pouvait être également lisible sur smartphone notamment, puisque on sait bien que notre public utilise de plus en plus aujourd'hui son smartphone pour consulter notre site internet. Et enfin, donc le Info Covid France nous a permis de valoriser également le travail de l'agence en augmentant donc sa visibilité, hein, puisque l'objectif de le rendre plus accessible rejoint assez facilement celui d'augmenter la visibilité de l'agence.
mais aussi à l'international. Et c'était important d'être visible aussi sur ce plan-là, sur différents aspects. D'abord parce que ça permet de faciliter nos relations avec les partenaires étrangers. C'est beaucoup plus facile. On a un outil qui est alimenté automatiquement et qui leur permet, en un clin d'œil, de connaître la situation en France. Donc, voilà, et puis ça a permis aussi pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir des informations sur la situation sanitaire en France, d'où qu'elles viennent, voilà, d'avoir pareil une information claire et rapide. Alors, comment on s'est organisé? Donc, en fait, pour ce projet-là, on avait nos objectifs bien définis et on avait des besoins. On était assez exigeants sur différents sujets. Alors, je ne vais pas revenir sur le triptyque temps, coût, qualité qui connaît tous les types de projets, mais on avait des besoins vraiment très précis sur certains sujets. Alors, notamment sur le design, parce que en fait, on avait besoin d'un objet qui s'inscrive dans notre site internet qui préexistait. Donc, on avait besoin de quelque chose qui vraiment soit très bien intégré dans le site. Et puis en termes de data visualisation, avec trois enjeux qui rejoignent un peu ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que pour répondre à notre objectif de lisibilité, eh bien, il nous fallait des représentations simples, pédagogiques. Il nous fallait un outil interactif, puisqu'on sait que l'interaction avec l'outil favorise l'appropriation et donc la compréhension de ce qui est proposé. Et également, évidemment, tout cela dans un contexte de respect des règles de visualisation statistique en santé publique, voilà, pour être tout à fait conforme et cohérent avec les données disponibles. Et enfin, un besoin de réactivité, puisque donc en tant qu'agence nationale et donc de responsable, on l'a dit, des indicateurs de surveillance de l'épidémie, eh bien, on se doit d'être très réactif sur la situation sanitaire et on propose des indicateurs qui sont quasi temps réel avec la situation. La situation épidémique. Et donc, ça demande une réaction, enfin une capacité de modification, de complément de l'outil qui soit quasiment en temps réel également. Donc, quelques mots sur la chronologie du projet, comment on s'est organisé. Donc, des fois, je mets des étapes un petit peu successives, mais évidemment, elles ont été parallélisées à plusieurs moments. Globalement, nos étapes, ça a été voilà, de trouver le bon design adapté à ce site internet qui préexistait donc. Ça a été également de sélectionner les indicateurs et les bons formats de visualisation, parce qu'il fallait trouver quel format était le plus adapté à quel indicateur pour être sûr de véhiculer le bon message et de ne pas... tromper le lecteur sur l'interprétation des données et puis d'être tout à fait conforme, on l'a dit, aux chartes d'utilisation statistique en santé publique. Donc voilà, donc une sélection des bons indicateurs les plus pertinents et les plus utiles à la compréhension de la situation épidémique. Également l'organisation et l'automatisation des flux de données, la mise à disposition auprès de DIGDAF de toutes ces données dans un processus complètement sécurisé pour garantir toujours la protection des données. Et puis évidemment tout ce qui est réalisation des tests de montée en charge qui ont permis aussi d'assurer la bonne marche de l'outil. Et enfin, donc déployer la version desktop et la version mobile, puisque voilà, on avait aussi pour exigence de déployer les deux en même temps, puisque je l'ai dit, notre site internet est beaucoup consulté sur mobile, et comme il est incrémenté, cet outil a été incrémenté sur le site internet, voilà, il était indispensable que les deux versions puissent être déployées en même temps. Et donc, Info Covid France est sorti le 24 novembre 2021. Alors depuis sa sortie, évidemment, ça bouge toujours avec donc le développement d'une version en anglais, j'en ai parlé également, une évolution aussi qui se fait au fil de l'actualité, puisque on a toujours des nouveaux variants, on a des nouveaux vaccins ou de nouvelles recommandations concernant le nombre de doses de vaccins. Donc tout ça, ça fait bouger nos indicateurs de la surveillance épidémique et donc nécessairement, ça doit être incrémenté au sein de l'outil. Très récemment,
la nouvelle évolution, on va dire, du projet, ça a été le développement d'un rapport qui est téléchargeable directement sur Info Covid France et qui permet en fait d'arrêter à une date, d'avoir un set de graphiques qui ont été sélectionnés spécifiquement pour être utiles à une compréhension assez large de l'épidémie. Et qui voilà, permet d'avoir des graphiques qui sont arrêtés à date et qui peuvent être réutilisés. Donc, c'est un format PDF, hein, donc qui peuvent être réutilisés dans des présentations ou dans des rapports, par exemple, voilà, pour l'aide à la décision, mais aussi pour l'utilisation de tout un chacun. Et enfin, donc là, en bleu clair, puisqu'on approche plutôt la partie perspective, qui est le déploiement de l'outil éventuel vers d'autres pathologies, mais j'y reviendrai. Donc le projet, donc voilà, je vais vous le présenter. Je vais reprendre la main sur la présentation et sortir un peu de la présentation pour vous présenter l'outil très rapidement. Voilà, donc Info Covid France, vous voyez, on est sur notre site Santé Publique France. Et voici l'outil, donc avec un menu qui nous donne toutes les catégories qui ont été pensées pour, voilà, il y a différents indicateurs qui sont rangés par catégorie pour comprendre l'épidémie. Là, on a une partie textuelle qui nous permet d'avoir toutes les analyses qui sont disponibles, les analyses aussi bien nationales que régionales, et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble avec une vraie analyse de la situation épidémiologique et pas simplement des indicateurs bruts, j'allais dire. Le fameux rapport dont on parlait, hein, qui est désormais disponible et qui est sorti, qui sort pardon, toutes les semaines, tous les jeudis, en même temps que notre point épidémiologique. Et puis quelques mots-clés, voilà. Donc en termes de design, on a souhaité avoir des infographies, donc je le disais, assez simples, c'est-à-dire avoir des chiffres clés vraiment qui puissent être visibles et lisibles facilement pour comprendre l'épidémie, avec des définitions pour les indicateurs, puisqu'évidemment, chaque indicateur demande une compréhension de la situation épidémique qui est particulière. Donc, vous voyez, voilà, des indicateurs sur le suivi de l'épidémie, par exemple, sur ce qui se passe en médecine de ville, mais aussi à l'hôpital, en termes de passage aux urgences, d'hospitalisation, de décès, par exemple, survenus à l'hôpital. Des données sur la vaccination, donc à la fois sur la distribution de la vaccination, hein, puisque la logistique vaccinale fait partie des missions de Santé Publique France, la gestion des stocks stratégiques d'État, et également la surveillance de la couverture vaccinale, donc avec voilà, des données sur cette couverture en France, sur les différentes doses de vaccins qui sont recommandées. Et enfin, sont affichées également des données d'enquête qui sont plus ponctuelles, comme l'enquête CoviPrev, par exemple, qui a été réalisée chaque mois, alors qui a été interrompue là pendant l'été, mais qui permet d'avoir en fait des informations sur le respect des gestes barrières, sur l'adhésion de la population à des mesures de prévention, voilà, comme les mesures barrières, mais aussi l'adhésion à la vaccination, par exemple, ou d'autres thématiques du genre. Et enfin, l'activité de la réserve sanitaire, que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt également, qui permet d'avoir voilà, le nombre de réservistes qui sont mobilisés chaque jour, qui ont été mobilisés depuis le début de l'épidémie, en fonction du territoire, en métropole ou en outre-mer. Et quelques données alors, voilà, sur la situation dans le monde et en Europe. Donc ça, c'est vraiment pour les informations qui sont sur la page d'accueil, les informations en un coup d'œil, on va dire. Et puis ensuite, pour aller plus loin, vous avez le menu ici avec voilà, différentes thématiques. Donc on peut aller par exemple sur la page incidence. Vous avez trois lignes pour quand même vous expliquer la source d'information et vous redonner les outils qui permettent d'avoir une analyse de la part qui a été réalisée par les experts de Santé Publique France. Et puis, vous avez toujours cette disposition-là, c'est-à-dire on a un chiffre clé et un graphique. Le graphique qui présente la situation. Donc là, en l'occurrence, vous voyez le taux d'incidence et le taux de dépistage. Donc on peut revoir d'ailleurs ceux qui se sont amusés à compter les vagues. Là, on peut retrouver les vagues, hein, la première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, sixième vague. Et là, on termine la septième vague, COVID-19. Donc,
Voilà, on voit bien la situation épidémique. On a voilà, les taux d'incidence et les taux de dépistage qui sont présentés chaque jour. Hein, vous voyez, il y a une évolution tous les jours. Et il y a le chiffre clé qui est issu donc en fait de cette dernière, de la donnée la plus récente en fait du graphique, et qui permet donc de faciliter la lecture aussi du graphique. Voilà, donc différents modes de représentation des données avec des données cartographiques. Et je reviens sur l'idée d'interaction hein, qui était vraiment essentielle aussi pour nous, parce que encore une fois, l'interaction favorise l'appropriation, la compréhension des données qui sont présentées. Donc, par exemple, si on choisit une région, choisissons la région PACA, par exemple, vous voyez, voilà, vous avez automatiquement les graphiques de droite qui se mettent à jour avec les taux d'incidence, taux de dépistage et puis le taux de positivité à côté. Vous pouvez également choisir un département. Alors, on ne peut pas aller plus loin en termes d'échelle géographique, voilà, pour différentes raisons et parfois des sujets aussi sur la protection des données individuelles. Mais voilà, vous avez une interaction qui permet de suivre un petit peu où que vous soyez en France la situation de l'épidémie. Et puis vous pouvez revenir également dans le temps, ce qui vous permet d'avoir le taux d'incidence dans la région, dans le département en fonction des dates précédentes. Voilà, donc encore d'autres moyens de visualisation, par exemple les heat maps qui ont été très utilisés là aussi pour cette épidémie et qui permettent qui donnent un visuel assez pédagogique effectivement dès qu'on a compris comment c'était utilisé et qui permettent là en un coup d'œil de voir que sur les dernières semaines, donc depuis le 11 juillet, on a vraiment un déclin de l'épidémie avec voilà une heat map qui va vers des couleurs beaucoup plus claires sur les semaines les plus récentes et donc qui symbolise l'amélioration de la situation épidémique. Voilà, donc je vais peut-être pas vous présenter l'ensemble du dashboard, mais voilà, simplement les différentes fonctionnalités. Vous voyez, là, on a aussi la possibilité de choisir en fait les données qu'on souhaite présenter. Vous avez des entrées comme ça thématiques, mais également une entrée qui s'appelle Choisissez votre région, par exemple, sur laquelle vous avez toutes les données qui sont rassemblées pour donc qui sont disponibles par région, puisqu'il y a des données qui sont disponibles qu'à certains niveaux nationaux, mais des données qui sont aussi disponibles au niveau régional, voire départemental, on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, si vous choisissez votre région, donc en l'occurrence, l'Île-de-France est choisie par défaut, mais on peut à nouveau changer de région. Et par exemple, prenons la Bretagne, vous avez toute la page qui se met à jour et qui vous donne les indicateurs, alors à la fois les graphiques mais aussi les indicateurs chiffres clés de la région, voilà, sur tout ce qui est disponible à la fois sur la circulation virale, à la fois sur les variants, sur l'activité hospitalière en médecine de ville ou à l'hôpital, enfin voilà, sur les urgences, sur les décès, etc. Voilà pour la démonstration de l'outil, donc avec donc un outil qui est assez complet, hein, qui comporte beaucoup d'indicateurs, avec beaucoup de sources de données, hein, puisqu'il y a plus de 70 sources de données derrière tout ça. Donc, c'est quand même une machine assez importante pour mettre en place ce dispositif. Vous avez la possibilité, évidemment, donc si je reviens sur la page chiffre clé, qui est la page par défaut d'accueil. Vous avez la possibilité de contacter aussi directement l'agence. Vous avez un formulaire qui est disponible et qui permet de poser différentes questions sur le tableau de bord en l'occurrence. Voilà pour cette présentation. Je reviens rapidement à ma présentation que je remets en grand. Voilà. Et donc, en bilan, de cet outil hein, qui est donc disponible, je le disais, depuis le 24 novembre 2021. Donc, on recense depuis cette date plus de 5 millions de visites et plus de 16 millions de pages vues. Donc, sachant que voilà, une visite, une connexion peut engendrer plusieurs pages vues, puisqu'il y a plusieurs allers-retours qui peuvent se faire entre les différentes pages. Donc, ce 5 millions de visites et 16 millions de pages vues correspond à la page chiffre-clé, qui est la page d'accueil, hein, comme je vous le disais juste précédemment, sur laquelle on arrive directement par défaut. Et ensuite, nous avons des statistiques qui, évidemment,
diffère selon les catégories, selon les onglets qui sont proposés. Et donc, on voit que le suivi de l'épidémie, mais aussi les déclinaisons régionales, sont les indicateurs qui sont les plus consultés sur ce tableau de bord. Voilà, ça nous permet d'avoir de la visibilité aussi sur ce qui intéresse le plus les utilisateurs de l'outil. Donc, on parle de bilan, donc on va parler aussi d'enseignement. Donc d'abord les plus, c'est un outil multi-usage. Vraiment, on l'a vu dans l'utilisation, voilà, depuis presque un an. C'est devenu un support d'information qui est beaucoup utilisé à la fois dans l'aide à la surveillance, donc par des équipes de recherche, mais aussi par nos propres agents pour avoir réutiliser les graphiques, pour pouvoir utiliser aussi ces formats pour des présentations. C'est utilisé pour la décision publique, donc pareil, le décideur peut avoir accès à cette information quand il le souhaite, tous les jours, et pour communiquer évidemment sur la situation auprès du grand public, et puis sur le plan aussi international, ça permet le benchmark international, hein, pour les personnes qui peuvent le savoir comment ça se passe en France, et également pour donc l'information à l'échelle individuelle. C'est un produit complémentaire. Il nous semble, en tout cas, que Info Covid France a vraiment trouvé sa place dans le paysage de la data visualisation de la COVID-19 que je vous ai présenté un peu plus tôt. D'abord parce qu'il apporte des informations nouvelles, mais aussi parce qu'il apporte d'autres visuels, d'autres manières de les présenter, visant toujours à une simplification de l'information, de la lisibilité de l'information, et puis donc qui permet de contribuer aussi à cette approche holistique de la situation épidémique. Donc, ce troisième plus, capitaliser pour déployer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu cours dans le cadre de l'épidémie de la COVID-19 et notamment dans le cadre de la surveillance, et qui doivent être capitalisées aujourd'hui pour être déployées sur d'autres thématiques, d'autres pathologies, d'autres alertes sanitaires. Par exemple, il y a un énorme travail qui est réalisé actuellement par différentes équipes dans le monde pour travailler sur une surveillance intégrée des infections respiratoires aiguës, mais aussi pour la présentation d'autres épisodes non infectieux, par exemple. Alors, les plus, mais il y a aussi évidemment les moins qui nous permettent d'identifier les points sur lesquels on souhaiterait poursuivre nos efforts. Alors d'abord, plus d'outils, ça veut dire plus de contrôle. On l'a dit, et je reprenais tout à l'heure la citation de la directrice scientifique sur le besoin de mettre à disposition des données fiables, des données vérifiées. Et effectivement, plus on multiplie les plateformes, plus on multiplie les acteurs impliqués, plus ça demande du contrôle et de la vérification des données pour s'assurer qu'il y a bien une restitution qui soit cohérente, bien sûr, et puis qui soit pertinente pour les utilisateurs. Ensuite, on a une marge de progression en ce qui concerne le fait de faire face à l'enjeu de littératie en santé. Je l'ai dit à plusieurs reprises là, dans cette présentation, mais c'est vrai que la simplification de la lisibilité de l'information, c'était dans nos objectifs. C'est des choses qui doivent être aujourd'hui, d'une part, évaluées, et d'autre part, sur lesquelles on pourrait aller encore plus loin en termes de simplification des visuels, d'utilisation des infographies, pour toujours rendre plus accessibles les informations. Enfin, un outil qui reste encore insuffisamment responsive, donc sur laquelle on a aussi une marge de progression, donc avec une version mobile qui demande à être encore sur laquelle on doit aussi engager plus nos ressources pour pouvoir avoir quelque chose de complètement adapté à tout type de smartphone, et puis des infographies, des visuels qui soient tout à fait adaptés à ce type d'outils. Voilà, alors en termes de perspective, et puis je m'arrêterai là, en termes de perspective, je l'ai rapidement dit, on s'interroge sur le fait d'ouvrir cet outil à d'autres informations. Alors, j'ai marqué ici vers un modèle Géode Alerte. Pourquoi ? Parce que Géode, je vous l'ai dit, c'est 40 thématiques aujourd'hui. Donc, vous avez ici
sur la plateforme Géode, hein, voilà, ne serait-ce que pour la lettre C, par exemple. Vous voyez, il y a, alors bon, il y en a plusieurs sur Covid-19 parce qu'il y a différentes thématiques sur Covid-19, mais aussi, vous avez les pathologies cardiovasculaires, par exemple, les cardiopathies ischémiques, les cancers, enfin voilà, il y a énormément de pathologies. Alors, l'idée, ce ne serait pas d'être exhaustif aussi sur les pathologies dans Info Alerte France, enfin, alors là, j'ai fait un lapsus parce que c'est le nom que justement on souhaite proposer, mais en tout cas, l'outil pourrait être justement un outil d'information qui est toujours sur notre site internet et donc qui ne doit pas être exhaustif sur les pathologies, mais qui pourrait être un outil sur les alertes en cours, puisque l'idée est de donner de l'information. Et donc, sur les alertes sanitaires en cours, ça pourrait, par exemple, être sur la COVID, la grippe, ça peut être sur les canicules, par exemple, comme l'épisode qu'on a connu cet été. Enfin, voilà. Donc, ça reste évidemment de l'ordre de l'idée et ça reste à concrétiser, mais ça pourrait être une belle perspective pour faire évoluer cet outil Info Covid France. Évidemment, ça va poser plein de questions. Ça demande de définir les critères d'inclusion. Ça demande de voir comment on va intégrer ce type d'affichage qui sera du coup périodique. Et puis, ça demande aussi de penser la gestion de ces données, le retour qui pourrait être fait auprès des utilisateurs en cas de questions, etc. Donc voilà. Ça, c'est encore des idées qui restent à ce stade-là de la réflexion et donc à suivre. Voilà, donc c'est tout pour moi sur cette présentation. J'espère vous avoir donné une image un peu complète de l'outil, hein, du projet outil. Et donc j'en profite encore une minute pour de garder la parole pour remercier, pour vous remercier de votre attention et puis pour remercier Dick Dash qui nous a accompagnés dans ce projet et qui continue hein, de nous accompagner puisque je l'ai dit, on est en constante évolution sur cet outil. Voilà, merci beaucoup. Merci Caroline pour cette présentation. Alors on va prendre des questions dans le public. Avant de prendre les questions, merci effectivement pour la collaboration entre les équipes de Dick Dash et de Santé Publique France pour aboutir à ce projet. Dans des délais, je pense que vous l'avez vu ici, je ne sais pas si on est rentré dans le détail, mais entre la contractualisation et la mise en place du service grand public, hein, donc un service qui se doit d'être irréprochable, c'est à peu près, il me semble, de l'ordre de 3 mois. Quoi. Donc, c'est quand même des délais très courts pour passer tout ce qu'on a vu en revue en termes de gestion de projet. Alors, je vous propose effectivement de prendre des questions et c'est Chloé qui va relayer les questions du public. Alors, justement, sur ce que vous venez d'évoquer, il y a une première question qui concerne notamment l'organisation du pilotage de ce projet pendant la phase de mise en place entre Santé publique France et Dick Dash, et en particulier dans ce contexte d'urgence sanitaire. Alors, je vais peut-être laisser Caroline répondre à cette question. Juste en premier indicateur, premier indice, ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment considéré, nous, de notre côté Dick Dash, Santé publique France, plus comme un partenaire, comme un client. Mais je vais laisser Caroline, effectivement, s'exprimer sur ce sujet. Oui, merci beaucoup Antoine. Alors effectivement, ça a été dit, hein, ça a été dans un contexte de crise sanitaire et donc d'urgence aussi. Hein, ça a été développé très rapidement cet outil. L'objectif était vraiment d'apporter des informations lisibles le plus rapidement possible auprès de toutes et tous. Et donc on a eu une organisation très serrée, très rapidement, avec la mise en place de comités de pilotage chaque semaine pour suivre l'avancée du projet. Donc on a suivi chaque étape, que ce soit voilà la partie, je vais pas revenir sur la chronologie, mais voilà sur la partie à la fois organisation, montage de l'outil, qu'on comprenne bien nous, qu'on exprime nos objectifs, qu'on soit en phase aussi avec ce que pouvait proposer Dick Dash. Donc voilà, cette organisation serrée là chaque semaine nous a permis d'avancer assez rapidement sur le sujet et d'aboutir à cet outil qui voilà, sur lequel aujourd'hui nous sommes très contents et on continue d'avoir des points réguliers. Donc c'est vrai que c'est assez facile, on travaille assez facilement avec les professionnels donc de Dick Dash, on a un contact assez rapide, on a voilà une bonne réactivité, ça nous permet d'avancer toujours au fil de l'eau et d'apporter des modifications encore aujourd'hui assez rapidement à l'outil. Voilà. Donc en termes d'organisation, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises, mais voilà, c'est une organisation assez serrée et qui s'est bien déroulée
dans un temps assez contraint. Ouais, juste pour reprendre quelques éléments, on travaille vraiment avec une méthodologie assez agile. Effectivement, il y a un comité de pilotage qui permet de suivre de manière quotidienne les évolutions qui sont faites. Et surtout au début, je ne vais pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, mais on n'a pas lésiné à revenir sur des étapes de design. On a fait beaucoup d'allers-retours au début sans proposer quoi que, enfin, sans qu'il y ait quoi que ce soit de défini, parce qu'on voulait vraiment que le design, et c'était au cœur effectivement de ce qu'a dit Caroline dans sa présentation, le design était un des points clés pour l'intégration du tableau de bord dans le site de Santé publique France, pour la compréhension facile des indicateurs. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'allers-retours au début sur quelle va être la bonne manière de présenter l'information. À la fois des propositions du côté de DICDASH, mais également des propositions du côté de Santé publique France. Donc, on a confronté finalement nos opinions sur ces sujets-là. Et je pense que ça a été assez enrichissant d'aboutir effectivement à un tableau de bord qui, on le pense, est utilisable par le plus grand nombre. Chloé, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Alors, sur un autre sujet, à savoir notamment comment la gestion de la montée en charge du site avait-elle été évaluée et préparée? Alors, bonne question. Effectivement, c'est un site, alors c'est Santé publique France qui nous a donné ces informations sur, je vais y répondre à Caroline parce que c'est une question plutôt technique, je pense. Santé publique France nous a donné ces informations en termes de volumétrie d'utilisateurs qu'ils estimaient. Donc, on avait pour objectif, effectivement, de supporter en simultané 200 000 sessions. Donc, nous, de notre côté, on a tout mis en œuvre, effectivement, pour avoir la bonne configuration, c'est-à-dire les bons équipements. Il faut savoir que DICDASH peut fonctionner en clustering, donc on peut distribuer les calculs, on peut distribuer la charge sur un ensemble de serveurs. Donc, on a estimé, effectivement, en fonction du volume de données qu'on traitait, du nombre d'utilisateurs simultanés, la machine, entre guillemets, idéale, ou l'ensemble de machines idéales qui permettrait de rembourser ce service. Et derrière, nous, on a des équipes qui sont spécifiquement dédiées à faire du benchmark et qui ont effectivement fait les évaluations dans ce contexte-là, avec les données réelles et avec effectivement la simulation de ces sessions en simultané. L'objectif étant d'avoir des temps de réponse qui sont toujours aux alentours de la seconde et pas plus. Alors derrière, effectivement, d'un point de vue technologique, DICDASH s'appuie sur un moteur de calcul qui est, donc nous en tant qu'éditeur, on a notre propre moteur de calcul qui utilise beaucoup de in-memory, qui permet effectivement d'accélérer beaucoup les process de calcul. Tous les indicateurs ne sont pas pré-calculés à l'avance, vous l'avez vu qu'il y a plein d'axes pour regarder un indicateur, ça peut être dans l'axe temporel, ça peut être dans l'axe géographique, dans l'axe catégorie d'âge, etc. Donc, on ne peut pas préparer tous les indicateurs à l'avance. Donc, c'est bien évidemment notre base DICDASH et notre moteur d'analyse qui va faire ses calculs en temps réel quand un utilisateur se connecte. Très bien, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, plus de questions. Je vous remercie et je vous laisse conclure du coup. Merci Caroline en tout cas pour cette présentation qui j'espère a été enrichissante pour tout le monde. N'hésitez pas à venir nous contacter à travers probablement plutôt DICDASH que Caroline en direct si vous voulez plus d'informations. Et si elle nous le permet, on vous transmettra effectivement ces questions offline. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous poser des questions à travers le site de DICDASH, DICDASH.com. Tout à fait. Merci beaucoup.